baguette, Jeannette, Claudette, une cigarette, et moi, oh là 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 là, Frankreich, Frankreich. On a vu le spectacle deux fois, j'ai vu le spectacle. J'ai vu une fois au Casino vendredi. Ah là, tu l'as vu. Voilà, et à Munich au printemps, je crois que c'est au printemps, au Philharmonie, Kassai, à Munich, j'étais là. Parce que je vis entre Munich et la France à Paris. Donc, voilà. Tu aimes bien Munich? Ça va. La qualité de vie, c'est incroyable. Quoi. Les Alpes qui sont juste à côté. Les Allemands, c'est les vrais Allemands assez. Les Bavarois, ouais. Assez. Oui. Oui, non, c'est vrai. C'est russe. Bavarois, c'est, oui. Non, puis c'est une culture que je connaissais pas, et puis bon, c'est vrai que culture bavaroise avec le Vassois. J'aime bien c'est chouette. Alors, donc déjà bravo pour le spectacle, parce que moi je trouve que c'est un spectacle audacieux, c'est un spectacle classe, beau, vraiment. Et puis j'étais ravi de redécouvrir toutes les chansons, tous les tubes qui ont jalonné votre carrière, mais réarrangés différemment, etc. Je trouve que c'est vraiment... Encore, c'est marrant parce que c'est... Les anciennes chansons, c'est le spectacle où les chansons sont les plus proches de ce qu'elles étaient d'origine. À part Une fille de l'Est, peut-être. Les deux parties prises, c'est Entrer dans la lumière et Je voudrais la connaître. Cela est-ce que je voudrais la connaître. Oui, ça c'est un parti pris. Voilà, ça c'était parti pris. Mais par exemple, quand tu écoutes Mademoiselle ou Meg, Dalman, toutes ces chansons-là, même si tu vas pas sur ma première tournée, mais la deuxième, troisième, quatrième tournée, c'était un peu acoustique, blues, etc. Alors que c'est beaucoup plus cabaret sur le premier album. Et donc là, quand tu... Alors après, c'est des sons, c'est vrai, plus aujourd'hui, ou alors tu as des intros sur Mademoiselle Chante Plus, très électro, etc. Mais la chanson en elle-même, c'est là où c'était le plus proche. Et c'était bien parce que les gens étaient contents de ça. J'ai vu, hein. Alors la plus applaudie, c'était pour moi, selon moi, Henri, c'était Il me dit que je suis belle. C'est une des chansons qui... Parce que bon, ça c'est sûr que... vous avez... Parce que je pense que vocalement, c'est aussi... Après, t'as... C'est difficile parce qu'en général, bien sûr, tu as les chansons que les gens connaissent comme Mademoiselle, mais les plus applaudies, je dirais, en général, dans plein de pays, qui ne sont pas toujours forcément les mêmes chansons connues. C'est toujours les moments Je suis belle, Je voudrais la connaître, d'Allemagne, qui sont vocales. Oui, c'est ça, j'entends ça aussi. Pour les hommes qui passent aussi, parce que là, il y a toute la projection qui fait que... L'émotion de la chanson, c'est une chanson qui est très touchante. Donc... Et puis s'il fallait le faire, parce que comme ça, quand même, on a fait parler pas mal de... Oui. Mais c'est vrai que ça, c'est... Mais belle, c'est vrai que c'est toujours bon. En plus, tu sens qu'à la fin, je la rage, tu vois, de... Voilà, ça y est, je l'ai fait, parce que... Et je sais pas, je pense que ça, les gens... Il y a beaucoup de... Quand le show commence, souvent, c'est... comme ça, et puis après, les gens, tu sais, ils observent. Donc ils veulent pas déranger. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à observer dans ce spectacle. Il se passe beaucoup de choses sur scène, entre les musiciens, la danseuse. Ouais, c'est vrai que j'y suis, donc je me... Enfin, c'est pas que je me rends pas compte, mais c'est vrai que... J'ai jamais vu le spectacle aussi sur DVD, c'est pas pareil. C'est justement pas un tour de chant statique, c'est vraiment tout un univers, donc on en a pour plein les yeux, donc évidemment, oui, les gens sont... Je pense que... Quand est-ce qu'on dit stop? Parce que justement, la tournée, elle aurait pu continuer encore, parce que c'est un succès. Ouais, elle aurait pu continuer, mais il y a un moment où, tu sais, en plus, un spectacle comme ça, moi, au début, j'avais dit 80 concerts, 100 concerts. Là, on a fait 140, parce que bon, moi, c'est moi, quand je vois une affiche, un artiste, je me dis, pourquoi on ne joue pas ici? Pourquoi on ne va pas là? Mais il y a un moment où quand tu sens que le voyage devient un problème, parce qu'à la fin, c'est pas monter sur scène le problème, c'est de se dire que tu ne dors pas dans ton lit, et c'est surtout cette responsabilité tous les matins quand tu te lèves de te dire, je suis malade, j'ai un rhume, il faut que je prenne des médics. Tu as cette responsabilité pendant un an qui est très lourde. Et puis c'est vrai que c'est un spectacle qui est quand même... Tout est... Tu vois, je ne peux pas me permettre d'être fatiguée vocalement. Il faut que j'aille vers les gens. C'est un spectacle qu'on regarde, mais il faut quand même montrer aux gens, allez, lâchez-vous, allez-y quand même. C'est physiquement assez difficile. Alors bien sûr, on peut se dire, ok, ben, un jour, ben, on va le faire. Et puis,
puis tu montes sur scène et tu danses pas et tu chantes, et puis les gens ils seront contents parce qu'ils viennent surtout m'entendre, m'écouter, mais je peux pas. Et des fois je me dis, là tu vas faire mollo parce que tu as 4 concerts d'affilée, et je sors de scène après le premier, et je me dis, ouah, là j'ai donné à fond, je sais pas faire à moitié. Je sais pas comment. Je comprends, mais c'est sauf qu'au bout d'un moment, et ben, tu sens l'ensemble du corps qui te dit, écoute là. Il faut, faire attention, il y a une hygiène de vie à avoir, quoi, c'est ça. Et puis parce qu'on peut pas se donner à moitié. Vraiment, et c'est surtout ça, c'est cette responsabilité. Et puis je te dis, au bout d'un moment, t'as envie d'être chez toi, de dormir chez toi. Après, c'est pas du tout contre les gens, parce que bien sûr, cabaret, je l'adore, je suis plus fière de cabaret. Mais à la limite, je me dis, attendez, laissez-moi un an, je reviens avec autre chose. Bien sûr, il y en a une vie privée aussi, je préfère. C'est un travail qui prend. En un an, pendant l'année. Voilà, on l'a pas pendant la période de tournée, donc du coup, on aime aussi retrouver. Parce que en fait, quand tu rentres, ben, t'es tellement entouré, t'es tellement sollicité que tu rêves d'être chez toi, tu rêves d'être seul chez toi. Bien sûr. Tu as envie, quand tu es avec quelqu'un, t'as envie d'être belle pour ce quelqu'un. Mais non, là, tu rentres de tournée où t'es toujours obligé d'être coiffé, maquillé, habillé. T'as juste envie d'être avec tes grosses chaussures et d'être voilà. Et ça, c'est pas bien non plus quand dans ta vie perso. Et ben voilà, il faut quand même qu'il reste. Des choses belles aussi, et pas se dire bah oui, bah moi tu vois, tu prends le reste, ça se dit, tu es hanté, c'est très difficile de gérer. Après, je pense que tout est une question d'organisation, tout est une question de. Non, d'autant plus quand on voyage, il y a des gens qui tournent juste uniquement en France, vous voyagez, donc c'est encore plus fatigant, en fait, c'est avec les heures de vol. D'accord, très bien, merci. Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Das Glück lässt sich nicht brechen, belächelt dein Vertrauen. Es läuft oft kilometerweit, ganz atemlos und ohne Zeit, verläuft sich zwischen vielen, verweilt für Minuten. Sieh dich nur an und murmelt, ich hab meine Zeit vertan. Du siehst in den Spiegel, verlässt ihn nervös, du läufst zum Heer. Die Haut ist porös, spürst deine Beine als sinnlose Last. Du bist dir selbst und den anderen verhasst. Nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Das Glück lässt sich nicht brechen, belächelt dein Vertrauen. Du suchst in der Vergangenheit, vergisst die Zeit der Einsamkeit. Du fühlst dich verraten, es schien doch so nah. Voilà.
revenir sur la distribution de cet album Cabaret, il y a eu RWA, les ventes privées, les toiles aussi. J'ai mis P. D'accord. Richard Walter Production. Oui, c'est ça, voilà, Richard Walter. Alors, production, donc avec un P, il y a eu beaucoup de distributeurs différents, et puis beaucoup aussi de supports différents. Il y a eu le DVD Live en France, le double Live Studio, le pack DVD plus CD en Allemagne. Ouais. Jamais personne avant vous avait fait autant beaucoup d'éditions différentes. Est-ce que vous pensez que pour le prochain album, ça sera la même chose? Est-ce que vous êtes satisfaite de ça? Par rapport aux albums qui sortent à l'étranger, c'est aussi parce que, par exemple, un live DVD en Allemagne, c'est y a pas de marché pour ça. Okay. C'est pour ça que donc ils vont sortir un double album dans lequel tu as DVD et l'album studio. Voilà, donc des fois on est super en fonction de ça. On va vite terminer parce que j'ai vu qu'il avait fait 3 minutes. Il y a la compilation qui est sortie. Par contre, les premiers tubes sont en live. Alors, pour une raison de droit ou pas? Parce qu'il n'y a pas Kanji Midi non plus. Et elle ah non, ah oui, non. Alors, Kanji Midi. C'est une question sur ça. Ouais, non, d'accord. Alors après, j'ai Kanji Midi, Kennedy Rose. Voilà. C'est moi, c'est ma décision de ne pas y aller. Parce que ce sont des chansons qui. Parce que je voulais quand même. Même si c'est un best-of, parce que c'est très difficile le best-of. Le best-of, déjà, souvent on dit c'est le meilleur d'eux qu'il faut, parce que le meilleur d'eux n'est pas forcément que ce qui est le plus connu. Évidemment. Donc après, un best-of est surtout fait quand même pour le fan, parce qu'il a envie de revivre ses années à travers ses succès. Donc c'est très difficile de faire plaisir aux fans, de vouloir faire découvrir des choses et de se faire plaisir, parce que c'est pas forcément les chansons, enfin que les chansons. Les plus connus que je mettrais sur un album comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'a pas appelé Best of. Mais après, je voulais quand même une unité. Mm-hmm. Donc, il y avait quand même, quand j'ai mis 10, c'était quand même beaucoup plus. Il y avait quand même ce côté un peu plus blues. Et Kennedy Rose aussi. Je trouvais que ça allait pas dans ce Best of. Et surtout que j'avais fait un Best of, je sais pas, il y a 10 ans, oui, sur lequel ils étaient dessus. C'est ça. Je ne me souviens plus exactement. Mais donc je voulais quand même qu'il y ait une unité. Donc ça c'est pour le choix. Après je voulais faire découvrir, c'est pour ça la chanson russe. Je voulais mettre les héroïnes parce que pour moi c'était un peu la boucle de tout ce moment cabaret, etc. Parce qu'elle représentait tellement bien ça. Oui. Ce cabaret, cet hommage. Donc voilà, il y a aussi ça. Après, les versions live, c'est pas pour des questions de droit. Je trouvais juste que les versions qu'on avait étaient, comme je te le disais au début, assez proches de celles qu'elles étaient. D'accord. Surtout ça, enfin celle-là. Sauf qu'il y a effectivement, alors on les a éditées, mais je trouvais qu'elles voilà, c'est peut-être aussi parce que je vivais en plein dans ça, tu sais, c'est toujours très difficile tout d'un coup de s'écouter. Tu vois, la voix ou le. Ouais, je sais pas. D'accord, il y a juste une toute petite question par rapport à et s'il fallait le faire. À un moment donné, depuis que j'écoute cette chanson, j'entends des oiseaux. Est-ce que des oiseaux à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les oiseaux? Ça, l'arrangeur, il y a des espèces de petits. Des petits bruits oui, comme oiseaux ça. Samplés, oui. Mais parce qu'il y avait un côté, je sais pas, c'était dans la revue. C'est joli, hein. Oui, mais c'est vrai que j'ai souvent dit à des gens, mais vous entendez pas les oiseaux, nous, c'est pas toujours, alors c'est pas possible, c'est pas normal. C'est. D'accord, très bien. Lora München, das Programm von Revolutionären. Oder solchen, die sich dafür halten. Für Revolutionäre. Oder solchen, die sich dafür halten. Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.